Salut à tous, une vidéo qui sera consacrée à une tendance naissante, on pourrait dire, en gros que j'observe depuis début 2017, c'est de, dans le monde des distributions Linux, c'est de partir d'une base Arc au lieu de partir d'une base Ubuntu pour faire sa propre dérivée. La plupart du temps, c'est plus une Respin qu'une distribution à part entière, mais bref. Bon, il y a des projets un peu plus anciens, comme Manjaro, qui est devenu au fil des années une distribution à part entière, même si elle est un peu comme Ubuntu, vraiment dépendante de la maison mère. Il y a aussi des projets comme Swagarch, qui va fêter bientôt ses 1 an et demi, mais auquel je n'aurais pas vraiment pensé qu'il durerait aussi longtemps. Il y avait Feu ApriCityOS, VeltOS aussi qui survit, bref, vous le trouvez dans le descriptif. Et je me suis aperçu qu'il y a d'autres projets qui sont nés depuis le début d'année, spécialement deux dont je vais vous parler maintenant, qui reprennent ce principe, prennent une base Arc avec Firefox, Thunderbird, LibreOffice de préférence la version style, enfin la version stable, et le tout soit avec Mate, soit avec XFCE. Je vais parler par ordre alphabétique de la Archman et de la Namib, du Linux. Donc je vais commencer déjà pour vous montrer le site de l'Archman. Après ça, dans une partie, je vais parler de la Namib. Voilà. L'Archman, c'est une distribution d'origine turque qui propose. Donc ça, je vais directement sa page. Voilà, la page de démarrage. C'est une base Arc, soit avec XFCE, Plasma, Mate et Xqt. Bon, bien sûr, comme c'est une rolling, on peut récupérer une image ISO et la mettre à jour. Mais j'ai remarqué que quand on va sur le téléchargement, la page de téléchargement, voilà. Non, bien sûr, Yarchman, Yarchlinux, Manjaro, Antergos, KOS, Chakra. Bon, ApriCity, dommage, c'est mort. Mais si on va sur la page de téléchargement, ce n'est pas de SourceForge, et si on regarde sur les ISO disponibles, comme j'ai précisé dans l'article dont vous trouvez dans le descriptif, la dernière c'est la 17.10, encore octobre 2017, avec l'XFCE. Si on veut d'autres saveurs, on est obligé de remonter soit au mois d'août, avec Budgie et KDE Plasma, et si on cherche carrément l'Xqt, je crois qu'on est obligé de remonter au mois de juin. Voilà, Xqt. Si on veut une version avec Xqt. Bref. L'équipe n'est pas extraordinairement grande. Je crois qu'ils sont 3 ou 4 personnes. Voilà, l'équipe. Ils sont 3 personnes. Développeurs, 2 qui s'occupent du site, principalement, et un qui s'occupe du développement. Et si on va sur le GitHub, on s'aperçoit que les dernières modifications sont quand même assez récentes, datent de 9 jours. Donc on voit quand même que c'est un projet qui est encore assez vivant et assez vivace. Voilà, donc ça, je réduis pour le moment et je vais vous montrer à quoi ressemble la Archman que j'ai déjà installée. On est parti pour la Archman. Je l'ai installée, mise à jour. Je passe en plein écran, ce sera mieux. Donc ça peut en démarrer, je m'en excuse. Voilà, donc au moins le fond d'écran est assez sympa. Ça change un peu de toujours les fonds d'écran classiques. Et vous allez voir que les deux distributions ont d'autres points communs, c'est l'utilisation de la dépôt tiers avec une petite faiblesse dont je vais vous parler. Et je vous montrerai par la suite. Donc là, on a un thème d'icône apparemment Papyrus. Voilà. Donc c'est du flat supportable. Côté équipement logiciel, on a tout classique. Hein. On a Flash Player, on a un équipement classique avec une XFCE. Tout ce qu'il y a de plus classique. LibreOffice. Le seul truc que j'ai fait en post-installation, mis à part bien sûr installer les mises à jour, c'est rajouter traduction pour LibreOffice et pour Firefox qui n'était pas disponible. Mais sinon, le reste, eh bien, non, français, la preuve. Voilà, donc c'est un tunard qu'on peut, bien sûr, si on veut parcourir le réseau, on peut. Faut juste attendre que LibreOffice se charge, bien sûr. Voilà, donc là, vous avez. Bon, c'est vrai que le thème est un peu
une esthétique par endroit. Le mélange des deux n'est pas forcément super esthétique, mais au moins, ce qui compte, c'est moins arrache rétine que c'est un truc. Vous voyez, on peut très bien naviguer sur le réseau. Et on a l'ensemble des répertoires en français avec des fichiers d'exemple. Et comme ça, on va pouvoir tester le support de l'audio. Donc, vous pouvez constater que le MP4 fonctionne. Le MP3, je ne sais pas ce qu'il m'a mis comme logiciel audio. Il n'en a pas mis. Bon, on va ouvrir avec un player, hein, avec un MPV. Il y a player, normalement, le MP3. Et là, bien sûr, vous avez le FV, donc vous voyez, tout fonctionne. Avec un petit peu d'humour. Là, on a affiché des exemples qui font penser à la bonne époque des premières Ubuntu. Donc, vous avez peut-être pu le voir, on a un Firefox que j'ai pu franciser sans problème. Que je vais laisser ouvert, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Là, ça c'est par rapport aussi à notre point, j'avais oublié de virer le cache. Bref, vous allez voir ça. Parce que si on va sur PAMAC, d'ailleurs, je vais aller sur PAMAC. Parce que PAMAC a tendance à être un brin, dirons-nous, stacanovis en ce moment pour les mises à jour. Bah, c'est quand même mieux d'avoir une version récente du. Voilà. Donc la dernière version de PAMAC, c'est la 6.2.1. Et quand PAMAC est devenu un incontournable des distributions basées sur Arch Linux, on s'aperçoit, bon, là, c'est bon, c'est pas trop vieux. Mais si on va dans les dépôts, on s'aperçoit quand même qu'il y a le dépôt Archman où il y a pas mal de petits paquets. Bon, bien sûr, des paquets spécifiques comme Archman quelque chose. Brise Vertex, je crois qu'elle n'existe pas, cette jolie icône. Bon, Ngrappa Thunar, il y a pas mal de trucs qui existent déjà sur AUR. Donc, un jour, si malheureusement le dépôt officiel d'Archman clame, vous pourrez toujours récupérer ça. Mais il y a d'autres trucs que vous ne pouvez pas récupérer. Donc, j'ai été sur AUR. Et si on regarde par exemple c'est pas ça que je voulais faire. Oups, ça. Voilà. Si on regarde par exemple le paquet Papyrus Iconthème, on se voit que c'est la version du 4 août. Si on regarde sur AUR, 7 octobre. C'est quand même dommage. C'est qu'un thème d'icône, vous me direz, mais c'est quand même dommage d'avoir des icônes qui ne sont pas à jour. Si on prend PAMAC, il y a une version de retard. Donc je vais faire juste un truc. Je vais aller dans le terminal. Pseudo nano, etc. pacman.conf. Et je vais désactiver le dépôt tiers. Ce qui est très bien, c'est qu'ils ont mis dépôt tiers en queue de liste. Donc ça, on peut désactiver sans danger. Voilà, donc je ne sais pas s'il n'y a pas corps. Ah, apparemment, c'est aussi notre ami ZSH qui a été mis. Donc il n'y a pas corps, donc c'est pas mal, on va faire sur le pacman.syy. Et si maintenant on demande, voilà, 6 mises à jour de paquets disponibles, parce que je demandais aussi à ce qu'il me vérifie les paquets AUR. Mise à jour. Yaourt. Parce que le yaourt était obsolète. Voilà, vous voyez? Il y a quand même tous ces petits paquets à mettre à jour. Il y en a 6. Donc je vais voir si je peux les mettre à jour. Sans problème. Quoique je peux très bien appliquer les mises à jour. Voilà, on va appliquer les mises à jour. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre par contre pour compiler. Vous voyez, le problème, c'est que avec des dépôts tiers, il faut vraiment être au taquet. Si on n'était pas au taquet pour surveiller les dépôts tiers qu'on crée avec des bases AUR,
on peut rapidement se trouver avec des paquets un brin vieux. Voyez, si le paquet avait été, enfin, bien sûr, on ne peut pas être 100% du temps derrière son dépôt, mais la moindre des choses, c'est de vérifier une fois par semaine s'il n'y a pas de nouveautés à mettre à jour. Après, bien sûr, je pourrais réactiver le dépôt de Archman. Il n'y aura pas de conflit parce que les paquets auront été mis à jour. Sinon, c'est une distribution qui est sympa, mais le problème, c'est que le dépôt tiers est un brin casse-gueule. Parce que si un jour les personnes disent, bon, on en a marre du projet, on arrête. Mais pour les personnes qui ont installé la distribution, eh bien, on va se retrouver le bec dans l'eau. Bon, elle n'aura pas 100% de paquets inutilisables, mais il y aura toujours des paquets qui ne seront plus mis à jour et ça bloquera l'utilisation à terme. Alors que si les personnes avaient dit, bon, on vérifie temporairement les mises à jour, on serait évité ça par exemple. Yaourt, c'est bien beau, mais c'est un logiciel qui évolue. Idem pour ImageWriter. Idem pour PAMAC, qui en ce moment a tendance à être un peu stacanoviste. Sinon, l'utilisation, c'est parfaitement fonctionnel. Mais le problème, c'est toujours les dépôts tiers. Donc, il y a PAMAC, c'est en cours. ImageWriter, je crois que c'est fait. Mais il y a encore. Compiler mugshot, ça c'est fait. ImageWriter, ok, c'est en cours. PM CouchQuery, c'est fait. Papyrus Icon Sam, ça sera peut-être le plus long. Bon, bien sûr, un thème d'icône qui est obsolète, c'est pas bien grave. C'est loin d'être mortel, mais il y a des logiciels comme un créateur de clés USB ou compagnie, ça peut déjà être plus chiant, quoi. Bon, pendant qu'il s'installe, on va voir le reste de la distribution. Qt 4, oui, LibreOffice Math, Inkscape, d'accord, ViewNord. Sinon, on a une distribution qui est bien conçue. Bon, bien sûr, j'aurais préféré remplacer LFTP par FileZilla, par exemple. Mais bon. Ah, j'ai oublié de mettre Thunderbird, la traduction, bon, c'est pas grave. NuGet, oui. Multimédia. Donc, on a une distribution qui est équipée correctement, mais qui souffre du. De tout ce qui est dépôt tiers un peu trop prononcé, quoi. Avoir un dépôt tiers, d'accord, mais trop mettre de dépôt de paquets à prendre dans un dépôt tiers, ça peut finir par être casse-gueule. Et ce sera la même chose pour la Namib dont je vais vous parler bientôt. Enfin, assez rapidement, j'espère, si le papyrus n'avait pas 8 jours à se compiler. Parce que les mises à jour que je suis en train de faire, elles auraient pu être évitées si les développeurs, je pense qu'ils vont s'en apercevoir, hein. Ah, attention, il y a tel paquet qui est obsolète. Ah, tel paquet est obsolète. Ah, tel paquet est obsolète. C'est la moindre des choses de mettre des paquets AUR qui peuvent évoluer rapidement, les mettre en version à jour, quoi. C'est la moindre des choses pour éviter de se retrouver avec des trucs obsolètes. Et potentiellement bogués. Au moins, ils sont déjà trois personnes derrière. Mais trois personnes, c'est peut-être un peu court pour un projet d'une running release. Même si ce n'est qu'un simple respin bien retravaillé, trois personnes derrière, ça fait court. Il doit plus rester maintenant que le papier recyclé thème, voilà, donc ça, je pense assez rapide. Oui, ça va être assez rapide, je pense. Donc les 5 à 10 minutes qu'a duré la compilation auraient pu être évitées.
et remplacé par 30 secondes d'installation, c'est tout. Donc là, j'avais pris la dernière version. J'aurais pu prendre une version basée sur Maté. Il y aurait plus de paquets à mettre à jour entre-temps, mais je suppose que la présentation était peu chose près la même. Mais là, j'ai pris la dernière version disponible pour avoir un minimum de mise à jour à faire. Donc c'est pour la construction du paquet Papyrus Iconsem a été plus rapide que je ne laisse compter. Ouf! Après, on va voir se déconnecter, se reconnecter. Vous allez voir qu'on aura juste un système à jour, mais qui souffrira toujours de ce talon d'Achille qui est un nez de potière sur laquelle la distribution dépend trop. Et comme je vous disais, sinon c'est une distribution qui a l'air très bien pour la bureautique. Mais le problème, c'est que c'est encore le genre de distribution qu'on pourrait reproduire avec un guide de 4 ou 5 pages en partant d'une base Arc préinstallée. Ou même au pire, avec un script de post-installation et boum, fini. Même si la post-installation serait un peu longue par rapport à la compilation ou la récupération de paquets, mais dommage. Je vois quand même la taille du paquet. Ah, c'est bon, on a fini de compiler. Autant pour moi. Voilà, donc là on va bien pouvoir se déconnecter, se reconnecter et voir quelles sont les mises à jour, quoi, enfin, les différences par rapport à la version installée de base. Donc pas très énorme, mais voilà. Donc maintenant on peut se déconnecter et en se reconnectant on aura la distribution à jour au moment où j'enregistre la vidéo. Par contre le fond d'écran est très joli là. Donc voilà, vous avez votre Arch Manager à jour. Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard après tout. Ah, j'ai oublié de fermer Firefox. Autant pour moi. Donc l'Arch Man, elle est pas mal. Je dirais à suivre pour elle. Pour voir si les développeurs vont continuer à faire du bon boulot comme ça. Donc maintenant, on va s'attaquer à la deuxième. On va s'attaquer à la deuxième distribution, à savoir la Nabib. L'Anamib, j'en ai entendu parler via Adrien D qui avait parlé de la première version. La 17.08, août 2017. Bon, bien sûr, on a Calamar et ses compagnies, donc ouais, là on a la pub habituelle. Voilà, Try Now. Et si on va sur la page Download, on s'aperçoit
si on descend un peu, qu'il n'y a pas eu de version depuis le mois de septembre. Bon, j'ai récupéré l'ISO et je me suis dit quand même, je vais voir où en est le GitHub. On va sur le GitHub. On s'aperçoit que le dépôt Namibiso, eh bien, ça va faire un mois et une semaine qui n'a pas été mis à jour. Je veux bien qu'on puisse pas être 100% derrière nos projets, qu'on ait une vie préparationnelle, qu'on ait du boulot, autre chose à faire, je suis d'accord. Mais un mois sans mise à jour pour un dépôt d'une rolling, ça commence à faire un peu. Donc, j'ai installé la distribution, je l'ai mise à jour et on voit la gueule du résultat. D'ailleurs, quand on regarde la Nabib au niveau de la Logitech, vous allez voir, c'est peu ou prou la même Logitech que celle de la Archman. Est-ce que ce serait une forme de copie? Je n'en sais rien. Parce que sur Archman, vous avez LibreOffice Style, Firefox, Thunderbird. Vous avez sur la Namib, LibreOffice Style, Firefox, Thunderbird. Bon. La seule différence, c'est la base utilisée. Là, sur la Namib, enfin sur la Archman, pardon, c'était une base Arc XFCE. Là, on a une base Arc plus Maté. Le fond d'écran est sympa. Par contre, j'essaie de passer en. Voilà, c'est bon, il passe tout seul en plein écran. Donc, on a un thème d'icône qui fait penser à celui de Budgie Desktop. Bien sûr, tout en français. Avec la gestion du réseau sans problème. On a Cara à la place, bien sûr, de Thunard. On a notre ami PAMAC qui est encore plus ancien que celui de la Namib. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Une version 6.01.1. Vous allez très vite comprendre pourquoi il y avait pas mal de retard sur ce plan-là. Donc, côté Logitech, on a tout ce qu'il faut. Ah, mise à jour de paquet disponible. C'est quelle mise à jour? C'est Python, donc on va mettre Python à jour pendant ce temps-là. Vous voyez, ça s'appelle se faire bombarder par une mise à jour. Alors, on a bien sûr l'équipement classique, hein. Équipement bureautique classique. Voilà, avec LibreOffice, graphisme. Sauf qu'il n'y a pas Inkscape sur celui-là. Donc vous voyez, on a l'équipement classique. On a GNOME MPV, on a Rhythmbox, pourquoi pas? Donc là, on a. Alors l'apparence, je crois que c'est Arc le thème utilisé. Non, c'est une personnalisation, tiens, à partir de. Ben, ce thème du mix. Menta, Arc. Bon, d'accord, il a personnalisé un peu tout. C'est un petit gloubi-boulga, pourquoi pas. Les arrière-plans, bon, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi il y a des logiciels un peu en retard. Si on va dans les dépôts, le Namib Repo, regardez-moi ça. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paquets. Et on voit que PAMAC est déjà obsolète. Donc les paquets Namib quelque chose n'existeront pas sur AUR. Donc là, c'est le danger. Si un jour le développeur en a marre, et bien, vous l'avez dans le pot potin pour une mise à jour de vos paquets. Donc je vais voir sur AUR les paquets restants. Qu'on peut trouver là-dedans, dans cette liste. Pour ceux dont j'ai un doute. Donc je sais que CKBComp c'est bon. GNOME MPV c'est bon. Donc les Namib, c'est pas la peine, ils n'existent pas. Voilà. Donc on va aller sur AUR. Ta bouche. Alors, PAMAC AUR, bien sûr, il existe, donc on va le mettre à jour. Package Query, c'est bon, ça sera à jour, je pense. Namib, bon, ça, tout ce qui est Namib, ça n'existe pas sur AUR. Mknit OpenSwap, je crois l'avoir vu sur AUR. Mknit
CPU OpenSwap est disponible sur AER. Donc c'est bon, on est sauvé. Resonant Box plugin tray. Resonant Box. Tray plugin code, donc c'est .93. Ok. Donc là, ce que je vais faire, comme pour la Namib, comme pour l'Archman, je vais désactiver le dépôt tiers et voir le nombre de paquets qu'il faut mettre à jour. En dehors, bien sûr, de... Alors, passer où maintenant ? Là, voilà. Ah, par contre, lui utilise Bash. Bon. Etc. pacman.conf. Très bien, dépôt tiers en queue de liste. Bon, bien sûr, je vais carrément faire annuler. Je vais juste les commenter les lignes, je vais pas les supprimer. Voilà. Là, on a désactivé le dépôt. Donc, je sais qu'il y a tout ce qui est disponible. Donc, SVEC U. Et après, avec PAMA qui va me dire le nombre de paquets qu'il va mettre à jour. Quatre mises à jour disponibles, devinez lesquelles. Mis à part bien sûr PAMAC. Non, même PV. Ouais, vous voyez déjà, il y a 4 paquets à mettre à jour. Parce que l'auteur n'a pas pensé à vérifier que les paquets qu'il avait pris sur AER étaient à jour ou pas. Et ça qui est ennuyeux, c'est encore le point faible, dépendre trop des paquets AUR et oublier que les paquets AUR, ça se met régulièrement à jour. Voilà, c'est tout. GNOME MPV est assez rapide à compiler, je crois qu'il prend quelques secondes. D'ailleurs, il y a une méthode terminée, vous allez voir. Mais on tombe toujours sur le même point, sur les deux distributions en question, leur point faible. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne derrière Namib, il faut que je vérifie sur le GitHub, mais il n'y a pas grand monde pour le projet Namib. Donc, ce projet, quand il y a des petites équipes, si un jour ou l'autre elles disent, c'est une petite équipe qui propose une base ARC, disent on en a marre, on laisse tomber, et bien les utilisateurs, et bien ils se retrouvent le bec dans l'eau à devoir jongler avec des dépôts qui ne sont plus fonctionnels, à croiser les doigts et serrer les fesses en espérant qu'ils pourront avoir les paquets AUR correspondants disponibles. Ou sinon, devoir tout repartir de zéro. Et ça, c'est dangereux. Bon, c'était déjà le cas avec les distributions basées sur Ubuntu, non, avec d'autres possibilités, avec d'autres problèmes. Mais l'idée, le résultat était le même. Si le développeur avait décidé de dire « Allez vous faire foutre, je me tire », eh bien, dommage. Il n'y a que 4 paquets à mettre à jour, heureusement, mais toujours le problème. Si on prend PAMAKUR qui a tendance à être stacanoviste en ce moment au niveau des mises à jour, on se retrouve très vite avec des versions obsolètes. Et pour un gestionnaire de paquets graphiques, ça peut faire mal. Donc je suppose déjà que GNOME MPV doit être à jour, déjà disponible dans les mises à jour. Si on fait aide à propos de GNOME MPV 0.13, donc c'est bon pour ça. Ça c'est des petits trucs techniques. Bon, mis à part ça, c'est une distribution qui est intéressante. Mais le problème, c'est que le dépôt n'a pas été mis à jour depuis. Dépôt tiers n'a pas été mis à jour depuis plus d'un mois. Est-ce que ça veut dire que le projet est au ralenti? Est-ce que le développeur va dire bon, j'en ai marre, je laisse tomber?
C'est pour ça que j'en reviens toujours au même principe. Restez avec l'Istromer autant que possible. Ou même, au pire, si vous voulez une base Arc, prenez une base Arc Anywhere, prenez une base Entergos en la purgeant après, mais restez sur des gros projets. Les petits projets comme ça sont très intéressants, mais quelle sera leur durée de vie? C'est sa question. Voilà, donc là, si on lance notre ami Pamac, 6-2-1. Là, je vais juste réactiver le dépôt tiers parce que j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle Meerkat Browser sur le projet de Meerkat, enfin de Nabim Linux. C'est le Meerkat Browser, donc je vais essayer de réactiver le dépôt tiers pour voir si c'est disponible. Apparemment, ce serait un fork du Otter Browser qui veut reproduire l'interface d'Opera 12 avec une base WebKit. Donc, on va actualiser la base de données. À moins qu'il ne soit pas encore disponible sur le dépôt tiers de Nabim Linux. C'est pas grave, il sera pas là, c'est pas bien grave. Alors, dépôt, Nabib. Non, il n'est pas encore disponible. Bon, mais c'est pas grave, à moins qu'il soit disponible sur AUR, mais là je préfère en compiler parce que c'est de plan 3 plombes. T système. Ah non, c'est pas ça, c'est sur Internet. Parce que si j'allais sur Namib GNU Linux GitHub. Voilà, donc il y a le Meerkat Browser. Les packages, enfin les paquets, pardon. 23 septembre, en gros, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Bon, par contre, là, c'est vide. Bon, on ne sera pas affiché. Je vais éteindre le tout. Donc pour conclure, vous avez vu que la tendance qu'il y a eu avant, pendant des années, de prendre Ubuntu, de la dériver, commence à toucher Arc. J'ai pris deux projets qui sont nés cette année. Je ne pourrais pas me dire, je n'ai pas envie de me prononcer sur leur durée de vie, mais je crains, vu la petitesse des équipes des deux projets, que ça ne dure pas longtemps malheureusement. Donc là, à voir, mais en restant prudent. Si vous voulez utiliser ces produits, je vous conseille la machine virtuelle par sécurité. Si vous voulez l'installer en dur, très bien, mais ne venez pas vous plaindre après que le projet est abandonné et que vous pouvez le mettre à jour. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!